schlankes Kardiogramm. 19, 22, 23, schon wieder eine langsame. 27. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux. La lumière leur vient d'un feu qui brûle assez loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquels ils montrent leurs merveilles. Je vois cela. Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des objets de toutes sortes et des statuettes d'hommes et d'animaux. Un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Penses-tu qu'ils aient jamais vu autre chose d'eux-mêmes et de leurs voisins que les ombres projetées par le feu sur la paroi de la caverne? Comment pourraient-ils? S'ils pouvaient s'entretenir ensemble, ne penses-tu pas qu'ils prendraient pour des objets réels les ombres qu'ils verraient? Nécessairement. Qu'on détache un de ces prisonniers. Qu'on le force à se dresser, à lever les yeux sur la lumière. Il s'ouvrira. Et si on l'arrache de sa caverne par force, si on ne le lâche pas avant d'avoir traîné jusqu'à la lumière du soleil, ne se plaindra-t-il pas de ses violences? Et lorsqu'il sera parvenu à la lumière, pourra-t-il distinguer une seule des choses que nous appelons vraies? Il ne le pourra pas. En 1940, Simone Veil écrivait « Les cinémas parlants ressemblent assez à cette caverne ». Ce n'était pas un compliment. Pouvait-elle accepter que cet art inférieur exerce dans la caverne même le pouvoir de nier la caverne, de désarmer la gorgone, de se nouer au fil de la création humaine et de créer finalement ses propres mythes? Tu n'as rien vu à Hiroshima, tu n'as rien vu. Schlankes Kardiogramm. 19, 22, 23, schon wieder langsam.